Paris. À Paris peut-être, mais ici on n'est pas à Paris. Le poisson, il est partout pareil. Ça m'étonnerait. Les poissons que vous avez à Paris, ils parlent tellement pointu que les nôtres, ils ne pourraient pas les comprendre. Une fois, sur la Seine, j'ai vu un pêcheur qui lançait le même filet que celui que tu portes. Un épervier ? Je sais pas moi, un filet quoi. Ah mais des filets, il y en a de toutes sortes. Hein. Fais voir. Hé, hey, touche pas ! Hé, hey, je veux pas le casser ! Les enfants, chez nous, n'ont pas le droit de toucher. L'épervier, c'est une chose sacrée. Bah, il me semble bien lourd. Celui-là pèse plus de 8 kilos. Hein. Et tu sais qu'il est lesté de plomb, regarde. Faut des gros muscles pour le lancer. Raconte-moi. À la tombée de la nuit, les pêcheurs s'en vont en amont de rivière. Deux par bateau. Il y en a un qui mène le bateau à la perche et l'autre se tient debout à l'avant du bateau, le filet bien équilibré sur l'épaule. Il faut bien connaître la rivière. Pour sûr. Mon père, comme moi, nous sommes nés ici. Même l'arrière-grand-père était déjà pêcheur. Donc, à la tombée de la nuit... Mais la nuit, on n'y voit rien. Il y a la lune, les étoiles. Alors, le pêcheur qui est à l'avant du bateau, d'un grand mouvement de bras, lance le filet qui retombe sur l'eau en faisant un rond parfait. Les billes de plomb entraînent le filet au fond de l'eau. Et les poissons se retrouvent prisonniers. Tu prends comme ça 5-6 kilos de truite facile. Voilà un épervier qui me semble différent. Ben bien sûr, c'est pas un épervier, c'est une araignée. J'ai peur des araignées. Ben t'inquiète pas, celle-là elle est pas venimeuse. Pourquoi l'appelle-t-on l'araignée ? Ben parce que les poissons se prennent là-dedans comme les mouches dans une toile d'araignée. Cette araignée, on la lance comme un épervier ? Regarde, d'un côté tu as une rangée de bouchons qui vont rester en surface. Et de l'autre côté, tu as une série de plombs qui vont aller au fond de l'eau. Alors, on repère un endroit dans la rivière où il y a un petit courant et on attache les cordelettes à la naissance des herbes. Les gros poissons restent dans le filet et les petits, ben, ils s'en foutent. Du diable. Tu m'en fais un beau de diable, toi. Tu vois pas que c'est une fichouille ? Une quoi ? Une fichouille. Ça sert à quoi ? Afficher le poisson. Comme un harpon. Celui qui est debout à l'avant du bateau, dès qu'il aperçoit une belle truite, il lance la fichouille qu'une fine cordelette retient à son poignet et 9 fois sur 10, il attrape la truite. Bon, c'est à peu près le même principe. Tu vois, tu repères un passage dans la rivière, tu poses la nasse dans le sens du courant et les poissons rentrent par le petit goulot que tu vois ici. Et ils ne trouvent jamais la sortie. Faut qu'ils soient bêtes. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ce sont des poissons campagnards. Et qu'est-ce que tu attrapes avec ça ? Eh bien, un peu de tout, des truites, des anguilles, des ombrées. J'aime bien les
truites, mais les anguilles me font horreur. Elles ressemblent trop à des serpents. Tu sais pas ce qui est bon. Si tu goûtais les anguilles comme les préparait ma mère, tu dirais qu'il n'y a rien de meilleur. Oh, ça, je crois savoir comment on s'en sert. Tu vises un poisson et tu le coiffes comme avec un chapeau. Ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que cet engin a aussi un nom? Ben, bien sûr, tout le monde a un nom. Les objets, les animaux, les hommes aussi. Toi aussi, tu as un nom. Mais même plusieurs. Oh, alors, c'est que tu es riche. Ça s'appelle un aragnol. Raconte-moi ton aragnol. Tu prends le manche comme ça, tu furettes dans les herbes, et le poisson affolé se prend dans les mailles du filet. Un peu comme dans une épuisette, quoi. Si tu veux. J'aimerais bien essayer l'aragnol. Je crois que cette pêche-là me plairait bien. Mais c'est pas possible. Et pourquoi non? Parce que l'aragnol, comme tous les autres engins de pêche que tu as déjà vus, est réservé aux adultes. Les enfants n'ont pas le droit de s'en servir. Alors, les enfants n'ont pas le droit de pêcher dans le pays des sorgues? Chez moi, à Paris. Ça y est, le revoilà avec son pari. D'abord, je n'ai pas dit que les enfants ne peuvent pas pêcher. J'ai dit qu'ils ne peuvent pas se servir de ces engins-là. C'est pas tout à fait la même chose. Ils peuvent très bien, par exemple, placer des bouteilles à verrons. Des bouteilles à verrons? Oui, c'est comme une sorte de nasse en verre, petite, avec un trou derrière. Tiens, va me chercher la bouteille qui est là-bas. Tu fais attention, hein, que c'est fragile. Tu repères le passage des verrons, tu places la bouteille et tu la retires quand elle est pleine. Qu'est-ce que c'est un verron? C'est un petit poisson. Il n'y a rien de meilleur, je te jure. Quand tu en as pris de quoi remplir une poêle, tu les fais tremper dans du lait ou dans de la bière, tu les laisses bien gonfler, et là tu les jettes dans l'huile bouillante. Ou plutôt, tu laisses faire ça à ta mère, ça vaudra mieux. Et moi, tu sais, les verrons, j'en mangerai sur la tête d'un mort. Et pour les truites? Pour les truites, il n'y a rien de plus facile. Regarde, un hameçon, un bouchon, une pierre. À la nuit, tu en poses comme ça une dizaine dans des endroits bien repérés à l'avance. Et au petit matin, tu vas les relever. Chez nous, à Paris. Oh, ça y est, le revoilà encore avec son pari. Porte-toi bien, Parisien. Et puis, à bien y réfléchir, je vais te donner un bon conseil. Taille-toi une canne à pêche dans du roseau, accroche-lui un bon bout de ficelle, tord une épingle en guise d'hameçon, appâte avec du fromage de chèvre ou du camembert et prends patience. Si tu es encore là à la Saint-Glingling, on viendra te tenir compagnie. Et n'oublie pas, la patience est une vertu de pêcheur.